Tu me diras quand tu veux que je chante, ok? J'ai mon téléphone et la vidéo. Ouais, je te dirai quand je veux que tu chantes. A priori, d'abord, je vais expliquer qui tu es. Tu peux faire comme les gars sur TikTok. Ouais, chante. Et toi, arrête de parler, toi! C'est ça, ouais. On y va? Nice. Un divorce a été prononcé 20 ans de mariage. Au tort exclusif de l'époux, cet homme a été condamné à 10 000 euros de dommages et intérêts pour ne pas avoir assez fait l'amour à sa femme. C'est mérité. Ça, okay. Ah ouais? Bah ouais, mais je crois que dans l'inverse, c'était plus choquant, ça avait déjà existé. Que c'était la femme qui avait pas assez fait l'amour et elle avait dû payer aussi. Ah ouais? Je crois que j'avais entendu parler de système. C'est vrai, c'est bizarrement, ça me paraît plus choquant. Ouais. Bah oui, toujours. C'est ouais, toujours un peu ouais, pareil. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est tant vrai. Mieux en vrai. Mais est-ce que ça valait le coup? Après, au final, 10 000 euros pour pas se faire ken, c'est cher payé quand même. Le mari s'est justifié en évoquant des problèmes de santé dus à son travail. Mais la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'a rien voulu savoir. L'épouse délaissée a gagné. Et en fait, il y a un truc dans la loi qui dit « Les rapports sexuels entre époux sont l'expression de l'affection qu'ils portent mutuellement. Il faut se référer à l'article 215 du Code civil qui prévoit que les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie, ce qui implique vivre ensemble, mais aussi avoir des relations sexuelles ensemble. C'est incroyable, c'est obligatoire de baiser, quoi. En gros, à partir du moment où tu t'es marié, si tu te mets pas OK avec l'autre, ouais, il peut y avoir problème. Ouais, après, bon, si t'en si arrives à ce moment-là, oui, c'est ça, si t'en arrives à ce moment-là d'avoir. Pour dire il m'a pas ken, c'est vraiment que la communication est chiant. Oui, c'est ça. En gros, en général, avant, c'est bon, on est plus ensemble. Oui, c'est ça. Bah, c'est ouais, ça. Bah, voilà, à la limite, si tu peux plus me faire la. Enfin, si moi je peux plus faire l'amour à ma compagne parce que moi j'ai des problèmes, bah je participe à ce quand elle se fait l'amour. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Quoi? Bah, je participe à elle qui se fait l'amour elle-même, quoi. Elle utilise ses jouets, ses machins, ses trucs, et moi je l'accompagne. Tu l'accompagnes comment? Tu lui dis quoi faire? Bah, je sais pas, ouais, je lui raconte, genre, bon, alors l'agenda, demain on va là. Tu utilises la télécommande? Non, ouais, voilà, tu peux utiliser la télécommande par exemple, mais tu peux juste être présent au moment. Oui, mais... Ce qui est plus excitant, c'est pas forcément de s'exciter, c'est de voir les gens excités, non? Oui, non, mais je pense que là t'es pas dans la même problématique. Le mec, il avait pas envie de baiser. Oui, il avait rien envie de faire du tout, ouais. Déjà, je sais pas, mais t'as pas envie de faire l'amour. Mm-hmm. Si tu dois être dans la chambre pour regarder l'autre faire l'amour et que t'avais vraiment pas envie, je pense qu'il y a un autre truc de. C'est genre, c'est comme si tu regardes une série à chier, c'est toi tu veux pas regarder les anges de la télé-réalité et la personne fait allez on regarde les anges et t'es à côté sur ton portable et tu fais et du coup t'as la nana avec tous les joueurs en train de faire comme ça et le mec à côté. Ok, si la personne avec qui t'es en couple quand elle se touche devant toi ça t'excite plus, là en effet il faut couper court à la conversation. Sans, et pas vois. Que la conversation, oui, effectivement, c'est ça, à la relation. Ouais. Alors, combien de temps ça a duré avant que. Des années. Alors ils disent qu'effectivement devoir conjugal ne doit pas rimer avec contrainte conjugale. Oui, bah, c'est ça. Parce qu'on a. Obligation non plus. Voilà, c'est ça, exactement. Vous mariez pas, peut-être. Vous mariez pas. Restez ensemble un ou bon alors temps. Juste communiquer et essayer d'écrire homme d'une autre manière que L-A-C-H-E. Et on s'en sortira tous mieux. Bad News vous présente les petites impuretés qui se logent dans des endroits un petit peu. Les petites saletés qu'on trouve dans le clavier de l'ordinateur, remplies de miettes de pain et de rognures de peau de doigt. Les petites saletés qu'on trouve sous les meubles de la cuisine lorsqu'on retire les plaintes une fois dans l'année, laissant découvrir une armée de moutons de poussière moite et de restes de petits morceaux de légumes moisis. Les petites saletés qui se logent dans les petits interstices des paires de lunettes, un subtil mélange de peau morte, de cils et de sébum. Les petites saletés qu'on a entre les doigts après une bonne journée de boulot composée de transpiration, de petites peluches de fond de poche et de crottes de nez qui ont glissé du bout du doigt jusqu'à là, voire pire encore. Merci beaucoup Ariel. Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, badounettes, c'est Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de cons. Je vous rappelle que Bad News est la seule émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Nos sources, c'est aussi vos sources. Envoyez vos Bad News à mabadnews@gmail.com. Aujourd'hui, nous recevons un homme avec un incroyable talent, Luty. Bonjour. Je ne savais pas qui tu étais parce que je ne traîne pas sur TikTok du tout. Aïe, je suis aïe, vieux. Aïe. Je ne suis pas que TikToker. Effectivement, mais tu as quand même la plus grosse part c'est de vrai. Ta communauté sur TikTok. C'est vrai, récemment en tout cas, oui. Ouais. Je t'ai découvert carrément, on était tous les deux invités dans un salon à Rennes. Les Geek Days, RPZ. Ouais. Tout à fait. Je t'ai vu sur scène et là, j'ai fait « Ok, franchement, pour m'impressionner, je suis un vieux de ce boulot. J'en vois des gens passer sur scène, improviser ou des choses comme ça. T'es hyper doué. » Ah, ça m'a fait plaisir, merci T'es beaucoup. T'es hyper doué. Improviser, déjà, il faut un certain talent. Improviser ouais. en faisant autre chose, c'est compliqué. Par exemple, tout le monde connaît Marcus. Ce mec jouait aux jeux vidéo et en même temps, il parlait. Et des fois, il n'arrivait pas trop à parler parce qu'il jouait à un jeu vidéo. Ouais. C'est hyper compliqué. Ouais.
toi, t'as la capacité. Toi, tu joues à un jeu. Ouais. Tu gagnes au jeu. Souvent, ça dépend. Tu parles en même temps. Tu chantes ce que tu es en train de faire, ça rime, et en rythme, et t'arrives en plus à créer, comment dire, il y a des refrains. Ah, de temps en temps, j'essaye. Alors, des... j'ai un extrait. Parce ah, vas-y, vas-y. Il est bien caché, il s'est bien terré, pour l'instant chez qui, il est juste allongé. Mais j'ai plus de balles, du coup je passe au-dessus, je fais attention, j'ai pas envie d'être déçu. Genre j'étais tellement surpris à ce moment-là. Traîner, ah ouais. C'est papa, par où je suis passé, du coup je me gille, il ne me voit pas, il ne sait pas que je suis passé par là. Maintenant je le vois, il me voit aussi, il a plus de balles et c'est comme ça que je le détruis. Boum, bam, boum, c'est terminé pour toi, n'essaye même pas de te rêver, je suis Assassin's Creed, tu crois quoi. Et boum, je passe, j'ai pu bien me déplacer, tu ne t'attendais pas à ce que ce soit comme ça que je t'ai brainé. C'est gentil. Petite histoire d'ailleurs, c'est que quand je revois certaines de mes impros, j'arrive à me rappeler l'état mental dans lequel j'étais à l'instant T. Tu vois, j'arrive à avoir le souvenir de ce qui okay. s'est passé. Et là, je me souviens très bien qu'à ce moment-là, j'ai voulu sauter du bâtiment et m'enfuir. Et en fait, j'ai tellement collé la fenêtre que ça m'a raccroché à la fenêtre. Mais c'est pas ce que je voulais faire. Et donc, je me rappelle que ça m'a fucked up le cerveau parce que quand il se passe quelque chose de très différent, normalement, t'as pas l'habitude. Exactement. Au même moment où t'es en train d'improviser des paroles, c'est souvent un moment de cassure. Parce que c'est un moment où genre t'arrives pas à ah rester bon. Dans le mood parce que t'es tellement surpris par ce qui vient de se passer. T'es que, même content. Tu ouais, fais c'est oh putain. C'est ça, c'est ça. Et d'ailleurs, tu le vois que j'ai le grand smile à la fin parce que je suis vraiment content du truc que j'avais pas prévu de faire que j'ai fait. Et j'ai réussi à continuer à improviser, donc je suis assez content de celle-là. Mais il y en a plein en fait. C'est un fleuve d'impro, il faut choisir les bonnes quoi. Oui, c'est ça. Mais comment tu fais pour pas te répéter? Parce que chaque fois que je tombe sur des vidéos, les mots en français, on en a beaucoup. Ouais, ouais. Des mots en français qui tournent autour du FPS pour tuer des gens, on en a un peu moins, mais il y en a encore pas mal en France, on en a. Et t'arrives à chaque fois à te renouveler, je comprends pas. Bah alors, déjà, il y a un peu la magie du cut, parce qu'en vrai, quand tu prends un live entier, je pense qu'il y a certains mots où tu pourrais les compter, tu vois. Ouais. Genre les aujourd'hui, laver, a, moi, laver, machin ouais. et tout, il y a quelques mots qui reviennent. Ouais. Et c'est un peu comme quand vous avez une bande de potes et que vous avez l'habitude d'utiliser une expression, et que vous la dites tout le temps, bah moi ouais. c'est un peu le même délire. Genre par exemple, la question c'est toujours la même. Ça c'est un truc que je peux caler plein de fois parce que ça me permet de me sortir de situation où je sais pas de quoi, tu vois, genre ouais. je sais pas et trop quoi. Et tu sais que t'as une rime en M qui ouais. va devoir arriver exactement. Après. Exactement. Donc même et en fait, maintenant je travaille même plus. En gros, le travail de préparation, souvent je vais trouver un ou deux mots justement que j'utilise trop souvent et je vais essayer de trouver une panel de rimes parce que je suis en mode là, je tombe trop souvent autour des mêmes rimes, même si en vrai j'ai l'impression okay. de toucher beaucoup de choses. Mais j'ai quand même beaucoup flémardisé, j'ai jamais beaucoup appris parce que quand je me suis renseigné, les gens qui apprennent vraiment à freestyler, et ben en fait ils écrivent. Et ils apprennent préparent. Plus ou moins par cœur certains bouts de texte qui leur permettent de se rattraper. Et du coup, je sais pas comment expliquer, mais je me sens un peu comme un tricheur quand je fais ça. Mais d'un autre côté, j'ai le sentiment que si je veux encore être plus fort que ce que tu me mets déjà sur un piédestal, c'est très gentil, il faut que je prenne ce temps d'écrire et de m'entraîner avec des mots que j'utilise pas. Et c'est pour ça que j'adore changer de jeu. Parce que tu le dis, dans les FPS, il y a le vocabulaire, mais tu vas sur Mario Kart, il y a me dépasse, il y a les carapaces, il y a les doubles items, il y a les trucs de feu, enfin tu vois, il y a beaucoup plus de mots qui changent. Ouais, donc quand je tourne en rond, je change de jeu, comme ça le champ lexical du jeu vient forcément amener une autre improvisation, exactement, un autre type d'improvisation. Exact. Mais t'as fait quoi comme étude? T'as fait un truc autour du français, elle, un truc comme ça? Ah, non, moi j'étais nul. Moi déjà j'ai eu moins 2 à tous mes trucs d'orthographe parce que tu sais, j'étais nul en orthographe, j'étais un peu dyslexique du cul. Ah, je suis dyslexique aussi. Voilà, moi, j'ai pas de bac, j'ai rien, j'ai que le brevet d'école. Moi j'ai eu le bac avec 10-0-0 et je crois que j'ai eu moins 2 sur l'intégralité de mes copies, carrément, c'était assez lunaire. Mais j'ai eu 20 sur 20 à l'oral de français. Ah. Comme quoi j'étais prédestiné, tu vois. Ouais. 8 à l'écrit, 20 à l'oral, j'étais en mode okay. I know what I have to do. Et c'est l'école de communication. Okay. Parce que je parlais trop, donc on m'a dit j'ai dit communication, on parlait trop, ça allait ensemble. Et après j'ai fait beaucoup de théâtre d'improvisation quand même, okay. où je faisais maître de cérémonie. Ouais. Et d'ailleurs dans le petit storytelling de ma vie, c'est parce que je faisais maître de cérémonie que quand je suis arrivé dans l'e-sport, ils savaient pas parler à des vrais gens, ils savaient que parler à des caméras. Et moi j'étais en mode regardez, c'est comme ça qu'on parle à des vrais gens. Ouais, ok, je vois, ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, et ça se voit parce que quand t'animes, quand je t'ai vu animer à Rennes, tu peux maîtriser une scène pendant toute la journée. T'es là, t'es en impro, tu maîtrises les sujets qui se passent sur scène. Ouais. C'est fou. Et donc toi, pour te retrouver, c'est surtout TikTok. Ouais. Twitch. Et Insta, et YouTube, et nouveaux concepts surtout. On a créé un spectacle d'impro qui s'appelle l'Impro Show Patate. Sur Paris. Sur Paris, exactement. On a gardé le nom Impro Show et on a rajouté Patate pour le jeu de mots. Et bah, ça marche super bien. C'est un nouveau concept avec de nouveaux gens. Et
En fait, un peu comme dans la vie de tout créateur, j'ai envie de dire, là en ce moment c'est ça, en ce moment c'est TikTok, mais je sais pas, ça se trouve dans le futur je vais vouloir reprendre les vidéos sur YouTube plus longues, ça se trouve je vais vouloir reprendre les live Twitch. Et puis on sait pas où notre métier va, donc du coup t'es obligé d'être un peu partout. Ouais. Puis même aucune idée, est-ce qu'on va réussir à faire ça pendant combien de temps? Enfin là, aujourd'hui je gagne ma vie en chantant en impro sur les jeux vidéo, combien de temps ça va durer, j'en ai aucune idée, tu vois. Donc, tant que t'aimeras les jeux vidéo qui sortent. Ouais, c'est ça, tant que je serai pas trop mauvais au jeu, tu vois. Ouais. Bon, allez, on reprend l'émission, on regarde la rubrique de la vidéo d'internet. Eleanor m'a envoyé une vidéo sur internet. J'ai peur. Non, mais c'est le saut d'obstacle, tu connais bien ? Ouais, je connais bien le saut d'obstacle. T'aimes bien ? Ouais, ça va, ouais. Ouais. Alors regardons cette vidéo de saut d'obstacle, c'est une petite compile. C'est tous les chevaux qui pètent lorsqu'ils sautent des obstacles. Ah non, c'est un pet de cheval qu'on entend. Ouais. Ah oui, ça déclenche fort, hein ? Bah t'imagines, ça saute, hein ? Ouais, ouais, ouais. Oh, le petit bruit ! Mais je veux qu'on équipe nos micro-cravates sur les queues de ces chevaux là qu'on entend. Ah bah, en meilleure c'est qualité, vrai que là on n'entend pas, ça résonne. On les entend de loin, on le dit bien. J'ai plusieurs moments dans cette émission où tu peux improviser. Ouais. La question c'est, est-ce que tu penses pouvoir faire une petite chanson sur les chevaux qui pètent lorsqu'ils sont en compétition? Sur le fait qu'il y a pas mal de pression. Saut d'obstacle, pression. Ouais, on va essayer de trouver. Ok. Ok. Élégant et gracieux depuis maintenant des années, par-dessus tous les obstacles, il décide de sauter. Mon cheval s'appelle Philippe. Mon cheval s'appelle Philippe et il est un peu désolé. À chaque fois que la compétition arrive, il est constipé. À chaque fois qu'il décide de tranquillement s'envoler, au moment où ses quatre pattes se sont décollées, il lâche un pet qui sent pas bon, qui fait du bruit mais ça compte pas pour les juges, donc ça va, il sort le pet directement. Quand ces trois barres, il était tellement grand. Je l'apprécie quand même, Philippe, il est plutôt sympa. Même si ses problèmes gastriques, on n'en parle pas. Il devrait voir un psy pour essayer de voir comment ça peut le faire. Mais pour l'instant, ce qu'il fait, c'est que de péter dans les airs. Péter, quand j'ai sauté, mon pauvre cheval Philippe a pété. Tout le monde s'est moqué, mais ça ne pue pas. Donc t'en fais pas, mon petit Philippe, on oubliera. Voilà. Bah, faut que tu fasses ça maintenant sur des vidéos plutôt que les jeux vidéo. Là, t'es obligé d'aller dans le lexique du cheval qui pète, bien sûr. Et c'est un exercice qui est rigolo aussi. Ouais. C'est trop bien. Merci beaucoup. Tu es comme un gosse parce que moi, faut savoir que toi, comme plein d'autres gens d'internet, vous faites partie de petits piliers quoi de l'internet. Tu vois, tu sais, c'est les piliers dans Seven Deadly Sins. Les vieux piliers un peu, mais piliers quand même, tu vois. Comme on disait tout à l'heure avec Assis-toi sur ce machin ou les vieux sketchs. Ouais. Et c'était un tout en plus. Et dans ma tête de gosse, toi et Poulpe, je vous mets dans la même case que le Palmacho, mais aussi que Cadet Olivier, parce que pour moi vous étiez des rêves de duo où te battait Gaël, tu vois. Je me disais, putain, les duos ça marche bien quand même, en plus le grand, le petit, et puis tous les duos ont un peu ce délire là de Eric et Ramzy. On fait pas exprès, il y a pas un casting. Le fait de te voir toi kiffer de ouf ce que je fais moi, c'est super gratifiant. Écoute, merci, mais t'es très doué. Voilà, on passe à en bref. Parfois, la vie, c'est vraiment une grosse salope. Huguette Clark était un personnage très secret. Depuis les années 30, elle vivait recluse dans sa maison de New York, entourée de ses poupées avec pour revenu les millions que son père avait gagnés en faisant des affaires dans la banque et dans la betterave. De revenu, finalement. La vieille femme était également connue pour avoir fait démolir puis reconstruire sa maison de Santa Barbara durant la Grande Dépression de 1929, juste pour donner du travail aux chômeurs. Donc une meuf plutôt bien. Huguette Clark est décédée à l'âge de 104 ans en avril 2011 et sa fortune doit être répartie entre ses 19 héritiers, dont Timothy Gray. Cet héritage, l'homme, il n'en a jamais eu connaissance, ni sa famille, sans nouvelles de lui depuis près de 20 ans, ni les avocats chargés de répartir l'héritage. Personne n'est arrivé à le localiser car Timothy était SDF et à 60 ans, il est mort de froid au lendemain de Noël. Il ne touchera jamais le chèque de 19 millions de dollars de sa grande-tante. La vie est une grosse salope. What the fuck? T'aimerais bien avoir 19 millions de dollars qui t'attendent quelque part? Je sais pas, hein, ça change un peu beaucoup la vie, mais ce serait pratique. Je pense que j'aimerais bien avoir 19 millions. Choses. Ouais, c'est ça. J'aimerais bien avoir 19 millions, mais j'ai le droit d'y toucher qu'à 1, tu vois. Okay. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Enfin, ouais. J'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un qui... Voilà. Ouais. Par contre, le fait de pouvoir continuer à vivre de ta passion, à faire de la création, sans avoir le truc de... C'est le filet de sécurité créatif. Exactement. Et surtout le côté, si ça se casse la gueule, je pourrais plus payer les autres gens. Ouais. Parce qu'à limite, moi, c'est moins important dans le sens où je me suis mis des réserves de côté, j'ai pu acheter une maison, machin et tout. Mais par contre, de me dire que ça peut couler et que les gens avec qui je bosse du jour au lendemain, ils peuvent plus être payés, alors là, je serais content d'avoir 1 ou 2 millions en rab juste au cas où. Je vis exactement le même truc que toi. Là, pour moi, dans ma tête, c'est NordVPN, c'est vraiment bien. Ah bah c'est ça, parfois j'accepte des trucs et j'hésite un peu, mais je me dis,
Putain, là, avec deux TikTok, je fais le salaire de tous mes employés en un mois, tu vois. Je suis en mode, vas-y, go, il faut le faire. Je suis d'accord. En bref, de chez Science Post, un homme d'une trentaine d'années souffrant de rhinite allergique a éprouvé d'intenses douleurs au cou après avoir retenu un éternuement en se pinçant le nez, en fermant la bouche quand il conduisait. Comme ça, voilà. À son arrivée aux urgences, il n'a signalé aucune difficulté respiratoire, altération de la voix ou problème de déglutition. L'examen a ensuite révélé un gonflement bilatéral du cou avec une légère sensation de crépitement au toucher et une limitation des mouvements du cou. Une radiographie des tissus du cou a finalement montré un emphysème chirurgical de l'air sous la peau, confirmé par un scanner avec contraste révélant une petite déchirure de la trachée entre la troisième et la quatrième vertèbre thoracique. La perforation trachéale a finalement été attribuée à une pression accrue lors de l'éternuement, wow, avec le nez pincé et la bouche fermée. Donc, n'éternuez jamais en retenant votre éternuement. Vous pouvez vous retrouver pendant 48 heures à l'hôpital. Ouais, et surtout que ça fait trop bader. Attends, c'est-à-dire qu'il s'est fait un trou dans la trachée en éternuant trop fort. En faisant un... Et de toute façon, quel que soit l'air qu'il sorte de votre corps, laissez-le sortir. Ça n'a rien à retenir. Si on vous suce. Ou alors si on vous suce justement, comme ça vous saurez si c'est la bonne. Parce que si elle continue après et qu'elle s'est marrée, c'est souvent que vous avez une... Si elle continue avec du caca sur la bouche, c'est que c'est la bonne. Cette semaine, ouais, j'ai décidé de parler des pervertibles. Okay. Qu'est-ce qu'un pervertible? Qu'est-ce que... C'est quelqu'un qui fait pas de trucs chelous à la base, mais... Ah, qu'on peut le pervertir. C'est ça, non? Non. Dommage. Les pervertibles, c'est les objets du quotidien... Que tu utilises dans l'acte sexuel. Que tu peux utiliser de manière perverse. Ah. Tout est pervertible. Voici une liste. J'ai glissé au milieu de ces listes un intrus, à toi de me le donner. Ok. Qui, à mon avis, est moins pervertible que les autres. Ok. Trombone, ceinture, règle, batteur à tapis, brosse à cheveux, un pneu, des élastiques, roue à picot de couture, une tapette à mouche. C'est quoi un roue à picot de couture? C'est une roue où tu fais comme ça et ça marque ton tissu et en fait ça a plein de petits picots. C'est très pervertible, mais ça me dégoûte. C'est un peu très pervertible. C'est quoi, c'est le pneu qui est pas pervertible? Ouais, c'est chaud. C'est chaud, ouais. Ah, c'est chaud. Alors bah, où voilà, tu l'attaches, tu mets la personne dedans, yeah, voilà. Ou alors une balançoire, une balançoire, baise. Une balambaise. Une balambaise. Une baise en soir. Une baise en soir. Une baise en soir, c'est plus sympa. Mais si tu le fais matin, c'est une balambaise. Non, mais le pneu, ça... en fait, le truc, c'est que pneu, t'as dit pneu et que c'est pas pervertible, mais ça dépend de la taille du pneu. C'est vrai. Et ça dépend où tu le mets, ouais. Exact. Ça peut agrandir certains pénis. Ça peut agrandir plusieurs pneus. Après, tu gonfles les pneus. Ouais, c'est ça. Alors, il existe des sites DIY où les gens qui sont fans de pervertibles discutent de moyens de fabriquer des trucs pervertibles ou des astuces autour de pervertibles. Et j'ai vraiment trouvé un tuto pour comment transformer. Déjà, voici des pervertibles. Quand tu tapes dans Google Images pervertibles, sur quoi tu tombes? Non, mais ouais. C'est les gens, c'est les sites où ils te disent, hey, regarde, moi j'ai utilisé des tongs comme ça, tout ça, machin. La raquette de ping-pong. La raquette de ping-pong, bah là, tu vois tout de suite, quoi, tu vois. Tu peux faire des jongles avec le cul, du coup. Exactement. Là, en Thaïlande, en tout cas, les meufs, elles balancent les boules de ping-pong, les balles de ping-pong, ouais, avec leur chatte. Voilà. Et donc, je suis tombé sur un commentaire. Ça m'a fait... J'ai adoré ce commentaire. Donc, c'est sur un site de DIY de pervertible. Ouais. J'ai bricolé une barre d'écartement avec une tige de tension réglable et des crochets à œillets ronds plus bouton pression. Et c'est tout ce qui est écrit. J'ai fait... Waouh. Mais c'est fou de se motiver autant pour créer des objets si bizarres. Et d'ailleurs, sur un site, voilà sur quoi je suis tombé. Et j'ai fait... Quoi? Quel est le projet? Donc, je pense que là, on est autour de Shibari. Il y a des nœuds, il est accroché à la rambarde. Mais je vois pas l'intérêt de la raquette. C'est vraiment vouloir mettre un objet, le pervertir. Tu vois, ouais, la raquette, on peut l'utiliser, la raquette. Et comme ça, à chaque fois que tu feras du badminton, tu verras ta femme et tu feras. La raquette. C'est une vieille raquette pour le coup. Et donc, j'ai enquêté et je suis tombé sur un site. C'est quelqu'un qui est fan de pervertibles. C'était pendant le confinement. Il a créé ce blog pendant le confinement et il dit: bon, vu que j'ai personne chez moi, j'utilise des objets pervertibles dans Animal Crossing. Donc déjà, le jeu pas facile à sexualiser. Bah ouais, c'est vraiment un jeu pour enfants avec Marie, machin, Tom Nook et tout, là, ça dégoûte. Donc, déjà. Luty, qu'est-ce que tu trouves de pervertible dans cette image? Ah, bah écoute, maintenant qu'on a vu des brosses à cheveux pervertibles, on est capable, ouais, de tout voir. C'est vrai. Je dirais l'espèce de banane en haut à droite de la de l'étagère. Non, plus en bas là, ouais, exactement, ce truc là. Ouais, c'est ouais, un oiseau, ouais, c'est un objet. C'est un oiseau? Écoute, ouais, mais il est pervertible. Ouais, ah, il est pervertible. Il est très pervertible. Moi, je trouve que la glace est un bon objet pervertible, vrai, qui dure pas longtemps, mais qui te donne un effet pendant un petit moment, vrai, en tout cas. C'est vrai. Et puis après, bah, la bouteille en haut, hein, tout goulot, oui, et tout goulot est pervertible, c'est ainsi vrai, que la petite carotte, quand même, juste derrière Marie aussi. C'est vrai. Ah bah, voilà, ça, ouais, la carotte. Par contre, ce qui n'est pas pervertible, c'est Marie. Hein. On touche pas à Marie. Ah non, on touche pas à Marie, ouais, sauf consentement. Ou elle se touche toute seule si elle le souhaite, mais ça ne nous regarde pas. Beaucoup plus dur. Qu'est-ce qui est pervertible dans cette image? Bah, je dirais l'air, hein, qui me fait penser au gazon sur la chatte de ma meuf. T'es dans les... La question est-ce que tu penses pouvoir faire une chanson sexuelle autour d'Animal Crossing à base d'objets? En vrai, je pense, mais du coup, attends, je cherche un truc qui va avec, mais ça peut avoir du sens.
Animal Crossing. Animal Crossing, du coup. Ok. Mars 2020, c'est l'heure du confinement. Je lance sur ma Switch un jeu qui a l'air prestigieux. Y'a Tom Nook qui me demande toutes ses clochettes. Il veut que je remplisse son musée, mais moi c'est pas ça que je veux. Moi, ce que j'aime, c'est voir les trucs pervers. Même quand c'est dans des jeux qui sont pour des enfants, que c'est faire. Mais moi, ce que j'apprécie énormément, c'est de me dire que la petite Marie, elle peut se mettre direct dedans. Ouais, tous les objets que je vois, moi je les imagine en train de te turluper, turluper dans ma pine. Et c'est comme ça sur Animal Crossing. Moi quand je fais des trous, tu peux déjà y voir un signe. Je fais un ravalement de façade. Je vais dans le musée, mais je vois les petits fossiles. Je vais les utiliser. C'est pas de la manière dont tu aurais préféré. Moi je sais, je me sens pénétré par des années d'histoire de ce truc qu'on a déterré. Avec un peu de lubrifiant, tout qui peut rentrer. C'est ma maman qui me l'a dit, alors il faut la croire, c'est vrai. Bravo. C'était terrible, horrible, faites pas ça. Non. Non, Animal Crossing, c'est pour secouer les arbres, pas votre bite. On passe à la bad news du jour. Merci, non. Bravo Luthi. C'est la bad news du jour. Je peux te faire tes jingles. C'est la bad news. C'est la bad news. C'est la bad news du jour. C'est la finale. On va parler de la cérémonie des IG Nobel 2017. Après, il y en a tous les ans, a priori. Mm-hmm. Sais-tu ce qu'est que les IG Nobel ? Absolument pas. Les prix Nobel. Ça, j'avais. Mais van. Ah, c'est mais... le pire prix Nobel ou non, quand même pas ? Non, non, mais c'est des vrais gens qui travaillent. Et là, c'est des scientifiques qui travaillent réellement sur un projet scientifique avec un vrai dossier, ouais, avec des heures de taf. Mais sur des projets qui vont pas forcément sauver l'humanité direct. Tu okay. vois. Déjà, je te montre le prix. Tu repars avec ça, si tu as un prix, un IG Nobel. Et par exemple, il y a un monsieur qui a fait toute une étude sur vivre au milieu des chèvres, en étant une chèvre. Ok. Voilà. Ouais. Donc, voici juste le nom des prix qui ont été remis pour les IG de 2017. Le prix IG Nobel de physique a été attribué à Marc-Antoine Fardin pour avoir utilisé la dynamique des fluides afin de répondre à la question « Est-ce qu'un chat peut être à la fois solide et liquide ?» Dispo en ligne. C'est-à-dire que tu peux aller en ligne, tu et tapes ce truc et tu peux aller voir 20, 30, 40 pages sur pourquoi un chat est solide ou liquide. Et liquide, les deux. Ouais. Avec des recherches, avec des trucs et ça marche. Le prix IG Nobel de la paix a été décerné à Milo Pouane, Alex Suarez, Christian Lowe, hein, ils sont 10 000. Ils ont démontré que jouer régulièrement du didgeridoo est un traitement efficace contre les problèmes d'apnée du sommeil et des ronflements. Non. C'est vrai ça ? Oui, ils ont fait une étude. Celle-là, elle peut changer la vie de pas mal de gens quand même. Hein. Oui, c'est vrai. Le prix Génomel d'économie a été remise à l'étude ayant démontré que vivre aux côtés d'un crocodile vivant augmente l'envie de jouer à des jeux d'argent. Je sais pas à quel moment les mecs... Je sais pas à quel moment il y a une corrélation entre le fait que le mec il a un crocodile qui vit chez lui et le fait qu'il ait très envie d'aller au casino. Et comment tu dis, je pense que je vais travailler là-dessus. Et je pense qu'il y a une corrélation forte. Oui, je pense. Alors est-ce que c'est pas plutôt que le mec qui de base vit avec un crocodile, il est un peu wildlife, tu vois, YOLO. Ouais. Donc, du coup, c'est normal qu'il a dépensé ses études à des... parce que c'est un peu le mood, tu vois. C'est pas s'il a un crocodile qui joue au jeu d'argent. S'il avait un panda, ça changerait tout. Hein. Bah je pense, oui. Je pense qu'il serait beaucoup plus doux. Alors, il y a eu le prix IG Nobel d'anatomie. Pourquoi les personnes âgées de sexe masculin ont des grandes oreilles ? Oh, ça c'était intéressant. Le prix IG Nobel de biologie qui dit pour leur découverte d'un insecte doté d'un pénis féminin et d'un vagin masculin. Oh. Dans des grottes. Et là, je crois que c'est vrai. Vraiment, il y a un insecte... qui a les mêmes organes que nous, ouais, mais c'est donné à l'autre personne. Ouais, c'est ça. Je sais pas le nom de l'insecte. Dans les commentaires, ouais, allez-y. L'IG Nobel de dynamique des fluides a été remis à Jiwon Han, qui a étudié la dynamique des fluides du café qui coule dans une tasse lorsque l'on marche en reculant. Et d'ailleurs, il a gagné contre le mec qui regardait le café quand on marchait de côté dans un train. Mais les gens trouvaient ça trop complexe. Ouais. Ils ont préféré les mecs qui marchaient de l'arrière. Exactement. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Moi, ce qui me termine, c'est de me dire que lui a gagné, mais j'aimerais bien, enfin, du coup... Tous les autres. Bah ouais, c'est quoi le critère de sélection du juge, tu vois ? Ils doivent tout lire. Putain, c'est vrai que ouais, marcher en arrière quand on boit un café, ça m'intéresse de fou. Et tout lire, même ceux qui gagnent pas, quoi. Et je me dis, si c'est lui le prix Nobel, c'est que les autres doivent être vraiment éclatés au max, peut-être. Ils ont récompensé aussi les analyses des mécanismes cérébraux chez les personnes écœurées par l'odeur des fromages. Ah putain, c'était tellement bon le fromage. Par contre, je sais pas si tu fais partie de cette famille-là, mais j'arrive à ne pas aimer l'odeur de certains fromages et pourtant les défoncer. Ah oui. Mais quand j'adore tu les manges le pas, c'est genre, je vois un mec qui mange du bon camembert à côté de moi. Une fromagerie, tu fais, ah ça pue un peu. Ça mélange un peu mais tout. Dans la bouche, c'est bon. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est comme plein de trucs. Je crois que je t'ai sauvé, on t'a pas trop entendu. Non, t'as dit plein de les pistes sont malheureusement séparées, donc on pourra réutiliser ta piste. C'est comme une partouze.
Et enfin, le IG Nobel d'obstétrique a été attribué à Marissa, qui a démontré qu'un fœtus humain ressent plus la musique lorsqu'elle est jouée directement dans le vagin de sa mère. Ah, et ben ça c'est bon à savoir. Ah, surtout pour les gens qui on jouent de la JBL. Eh, JBL, on attend le vibro enceinte pour les enfants. Bah oui, c'est ça. Ouais. Pour accompagner avec l'acte, tu vois. Carrément. Un vibro musique. Voilà, on passe tout de suite à la correction de Sylvain. Bonjour les badounettes. Bonjour maître. Alors aujourd'hui, je vous préviens, si vous êtes un bonhomme et que vous êtes un peu sensible, zappez cette correction. J'ai moi-même eu beaucoup de mal à l'écrire. Mettez un pouce bleu et un compliment pour Sylvain en commentaire avant de zapper, évidemment. Vous n'êtes pas venu pour rien. Vous êtes encore là? Bon, je pourrais pas dire que vous avez pas été prévenu. Dans la Bad News 261, à 15 minutes 10 environ, David dit... Imagine, tu sais, mon zizi, comme un bras cassé avec du plâtre, mais avec le tube comme ça, c'est genre... la vie, avec tous les personnages de la vie qui font « Oh là là, oh là là !» La fracture du pénis désigne la rupture des corps caverneux de la verge quand celle-ci est en érection. Ça arrive surtout quand vous êtes dedans, hein, et que quand ça sort, et que y a le même mouvement énergique, hein, mais quand ça rentre pas parce que c'est légèrement dévié, qu'à la place ça tape et ça coince un peu et donc bah... Une fois sur deux, c'est quand la fille, elle est au-dessus, mais dans l'autre sens, ce qu'on appelle une reverse cowgirl. Ouais, je dis la fille parce qu'il est impensable qu'entre deux mecs ça arrive. Les gars, ils savent quoi, ils savent. Empathie. Même si, un quart des cas, c'est levrette. Et là, bon, bah, c'est la faute de celui qui pénètre. Là. Alors, apparemment, on entend un craquement, accompagné immédiatement d'une douleur brutale et directe du débande. Logique. Et peu après, la bite devient toute violette, à cause de l'hématome, déformée, courbée, du côté opposé de la fracture. Vous voyez une aubergine? Bah voilà. En plus, une fois sur quatre environ, t'as aussi une fracture de l'urètre. Donc de toute façon, bah hop, les urgences. Par contre, après, je sais pas si t'as un plâtre aux zizi, comme dit Davy. Dites-nous dans les commentaires ceux qui ont eu ça. Et dites-nous les filles aussi si vous avez déjà eu des fractures de la vulve. On sait jamais. Un plâtre vulvaire, c'est chaud, un plâtrer cet endroit. C'est comme, bah tiens, pour la Saint-Valentin, quand t'es un mec et que t'as pas le sou, tu peux toujours te mettre un ruban autour de la bite. Plaisir d'offrir, je vais te recevoir. Par contre, une nana, tu le mets où le ruban? C'est compliqué à emballer. Dites-nous. Au revoir les badounettes. Au revoir. Merci beaucoup, Sylvain. Merci, Sylvain. Luti, cette émission est terminée. Merci d'être venu en voiture jusqu'à nous. C'est vrai. Voilà. Là, on est au mois de mai. Ouais. Qu'est-ce que t'as Bah, le spectacle d'impro qui devrait normalement être dans une nouvelle salle. Où? Et bah, pour l'instant, c'est au Gourou Paris à Bassy, du coup, qui est un bar-restaurant qui est tenu par des copains à nous qu'on connaît bien, okay. Qui est l'ancien café de la presse. Okay. Et du coup, on hésite, mais on pense faire peut-être deux fois par mois au Gourou, gratuit, et une fois par mois dans une grande salle, mais là, potentiellement avec vous un petit prix d'entrée. Sur scène? On est pour l'instant 4, mais on va être 5. Un maître de cérémonie et 3 joueurs pour l'instant. Okay. Tout le monde me demande de faire de la vraie musique. Et du coup, moi, j'ai décidé quand même de prendre encore une année pour faire de la musique humoristique. Donc, normalement, il y a pas mal de petits clips qui sont en cours de préparation ou qui sont déjà sortis. Okay. Écrit là. Exactement. Où ça reprend des situations de jeux vidéo, un truc qui parle un peu à tout le monde, et faire une chanson et un clip un peu burlesque autour de la situation. Ok, voilà, super. Je vous rappelle que Bad News existe aussi grâce à vous. On a un Patreon et un Tipeee. Allez secouer votre pommier et donnez-nous les clochettes de Tom Nook. Le dimanche, il y a notre podcast, Histoire d'en rire. Le mercredi, Culture Z sur ma deuxième chaîne YouTube. Et le jeudi, live Twitch à 19h30 où on fait... des quiz, bien entendu. Merci d'avoir suivi cette Bad News. Merci à Luti. Et on vous donne rendez-vous mardi prochain à 17h45 avec Macabou. Attends, cut pas. Je te fais une chanson de fin. Vas-y. Ouais. Bad News pour aujourd'hui, c'est terminé. On avait Luti qui était notre invité. Ça fait plaisir de l'avoir eu, mais il était sympa. Même si on lui a montré des trucs bizarres comme ce caca en forme de cœur et de couille, mais je ne le reconnais pas. Je le connais très bien, tu peux lui faire des bisous. Est-ce que tu préfères qu'il soit en couille ou en cœur? Moi, je ne sais pas, mais on chante tous en cœur. Je viens de réaliser que c'est une création originale. Évidemment que moi, je suis comme un animal, très content d'avoir pu participer à cette émission. 280, ça commence à faire longtemps mon con. Alors maintenant n'hésite pas à t'abonner, donner sur le Patreon si tu veux bien nous soutenir. Il le faut, c'est très très important, parce que pour l'instant on est un peu en dèche d'argent. Alors NordVPN s'il te plaît lâche la moula, tu peux protéger tous tes comptes où que tu sois. Allez NordVPN, vas-y régale-nous, y a pas que les contenus Squeezie qui valent le coup. Et NordVPN va être content parce que tu sais quoi, je fais hyper attention de pas faire promo quand j'ai des guests. Ah ok, voilà. Et moi ça me dérange pas moi. Je pense que NordVPN a eu une pub gratuite ce mois-ci en plus. Let's go. Merci. Mais c'est grâce à NordVPN qu'on vit aujourd'hui et à Oli. Donc merci à Oli et à NordVPN. Qui m'ont aussi accompagné tous les deux. Et gros big up à toi surtout et bravo pour Bad News. Merci beaucoup. Merci. Ciao. Pourtant que la montagne est belle. Comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelles,
que l'automne vient d'arriver.